un derby pour commencer la saison au Stade Pelé. Le Paris 13 Atlético n'a pas le temps de davantage s'acclimater, s'adapter à ce retour en championnat national. Son jeu direct, Valentine, très intéressant. Ce ballon qui revient directement dans la course d'ici à Kakaramoko, plus prompt à jaillir devant Raphaël Calvet. Un long ballon, très long ballon d'Enzo Valentine qui fait la différence dans ce premier quart d'heure. Le Paris 13 avait le ballon, a eu plutôt les plus grosses situations en dehors de la frappe de Kodja et donc a récompensé avec le tout premier but. Couverture de Butreau, nouveau centre. Cette fois-ci, c'est d'excès au premier poteau, ballon contré. Et le poteau pour Issa Karamoko. Un petit coup de pincé de piquer le ballon dans la surface vers Kodja. Car là, il n'y a pas de liberté dans le duel, il y a du retard et c'est le rouge très logique, très logique pour Sonny Butreau. Il est en retard avec impact haut, aucune maîtrise du geste, vitesse, intensité. Copie gauche de Basque pour un ballon bien brossé mais sans problème pour Sanou. Tire cadré quand même à la 36e minute. Et Kodja n'est pas hors jeu. Il n'est pas sanctionné. Position de hors jeu. Karamoko le pique. Quel enchaînement très intéressant jusqu'au bout. Avec la reprise légèrement prise de l'extérieur du pied par Sami Bagdadi. À l'image d'Issiaka Karamoko, et Romain Basque s'est fait plaisir pour lancer ce contre et lancer Bemba côté gauche, retour sur le pied droit, possibilité de frapper, contrée, nouvelle chance, et forcément c'est Calvin Versailles, c'est comment faire. Calvet à la conclusion qui n'avait jamais marqué en national, le fait de la plus belle des manières juste avant la mi-temps au terme d'un contre éclair. Plat du pied parfait, ras du poteau, son premier but dans ce championnat après 101 matchs. Et ça arrive dans le bout du temps additionnel de cette première période, un but partout entre le Paris 13 Atlético et le FC Versailles. Bemba a tenté cette frappe en pivot, sans problème pour Germain Sanou. 48e minute de jeu, première tentative pour Versailles dans cette seconde période. Yacabi, nouveau centre, second poteau, un petit peu court, Keita pour reprendre Texa. Finalement, le ballon arraché dans les pieds d'Hachem, puis dans ceux de Keita. Et c'est Karamoko toujours. Ouais, Karamoko pour revenir sur le pied droit, la frappe. Ballon contré. Non, pas main, pas main. Alors, reprise très intéressante là, tentée en première intention par Balouge. Calvet, qui avait égalisé dans le bout du temps additionnel en première période.